Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Disons-lui merci pour la semaine qu'il nous concède à nouveau. Le Seigneur nous comble de ses biens. Le Seigneur nous comble de ses grâces. Il mérite une réponse qui vient de notre cœur. Une réponse de gratitude, ce retour vers le Seigneur. Prions avec Judith Andiwa, qui rend grâce au Seigneur pour le don de la vie et les bienfaits de notre Seigneur en ce jour de son anniversaire de naissance. Que le Seigneur continue en elle son œuvre. Nous venons à la table du Seigneur, nous venons offrir nos misères, nos peines, nos souffrances. Nous venons à la table du Seigneur, nous venons demander, prier pour nous-mêmes, pour nos proches, pour le monde, pour notre Église. Nous venons aussi demander pardon au Seigneur pour toutes ces fois où nous n'avons pas pu garder ses commandements par nos faiblesses. Préparons-nous donc à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithares. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour le Juif, le succès était une bénédiction et l'échec une malédiction. Lorsqu'une personne avait le succès, on disait que le Seigneur l'a béni. Et lorsqu'une personne souffrait, on parlait de malédiction de Dieu. Même la maladie était considérée comme un test de Dieu, une punition de Dieu pour un péché commis par cette personne souffrante ou même un péché commis par les prédécesseurs de cette personne. Nous pouvons le voir très clairement dans le livre de Job. Les souffrances de Job sont considérées comme un péché de Job lui-même, un péché caché, ou alors un péché de l'un de ses parents. Et comme beaucoup d'entre eux, les Juifs, ne croyaient pas en la vie éternelle, par exemple les Sadducéens. Pour eux, tout finissait ici sur la terre. Et nous aussi, nous avons hérité d'une partie de cette conception erronée du mystère de Dieu. Et parfois, quand une personne souffre, nous disons que Dieu l'a puni. Lorsque nous-mêmes nous souffrons, nous pensons, qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi Dieu me punit-il? C'est une réalité qui était profondément ancrée dans l'âme juive. La bénédiction, c'était le succès, et la malédiction, c'était l'échec, la souffrance. Il est vrai que le Seigneur a purifié cette réalité erronée, ce récit erroné. Par exemple, je reprends l'exemple de l'enseignement du livre de Job, ou encore les textes des livres des Maccabées. Mais cette conception était déjà intimement liée au monde juif, mais était déjà intimement ancrée dans les cœurs de ces personnes. De manière que pour purifier cette conception, c'était difficile, je le dis, nous avons nous aussi hérité de cette conception juive des choses, la malédiction avec l'échec et la personne bénie qui était une personne qui réussissait. Si tu ne réussissais pas économiquement ou en bonne santé ou avec des enfants ou autres, si tu ne réussissais pas, cela signifiait que Dieu te punissait pour quelque chose de mal que tu as fait ou pour quelque chose de mal qu'une des personnes qui t'ont précédé ont fait. Combien de fois dans nos vies,
nous doutons de l'amour de Dieu. Combien de fois dans nos vies, dans des moments difficiles, nous posons cette question erronée à Dieu. Le Christ crucifié, c'était aussi un signe d'un échec. Si le Christ était Dieu, si Dieu était derrière lui, Dieu ne pouvait pas laisser mourir son Fils de cette façon. Si Dieu l'a laissé mourir de cette façon, alors le Christ mentait. C'est pourquoi les premières persécutions, c'est l'origine des premières persécutions. Si le Christ était Dieu, ou alors un envoyé de Dieu, il ne pouvait pas mourir ainsi. Ainsi, c'est un farceur. Ce qu'il a enseigné, c'était des affirmations fausses et ridicules. Le scandale de la croix venait confirmer les doutes de la divinité du Christ. Alors il fallait persécuter tous ceux qui parlaient au nom de ce farceur, de ce menteur, parce qu'il est mort crucifié. Une terrible mort, la mort. Cette mort-là était considérée comme une malédiction. Nous aussi, dans nos moments de difficulté, la famille, les enfants, le travail, la santé, la mort, nous courons le risque de penser que Dieu nous a abandonnés. Lorsque tu as un malheur quelconque dans ton travail, dans ta famille, avec tes enfants, avec ta santé, la mort d'un être proche, tout ce qui est douleur, et la douleur a ses mille terribles visages, nous courons le risque de penser que le Seigneur nous a punis pour un mal que nous avons fait ou alors pour un mal commis par un de tes prédécesseurs. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne punit pas la faute des pères en punissant les enfants. Ce n'est pas notre Dieu. Il l'a enseigné dans l'Ancien Testament pour purifier le message. Notre Seigneur n'est pas un Dieu cruel qui garde de la rancœur. Notre Seigneur est miséricordieux. Et nos fautes, nos péchés, lorsque nous demandons humblement pardon à Dieu, il nous les pardonne. Lorsque nous demandons humblement pardon à Dieu, notre Seigneur tourne la page. Sois fidèle au Christ. Ne dis pas, Seigneur, j'ai été fidèle, ou alors j'ai essayé d'être fidèle, et pourquoi je souffre? La fidélité n'est pas un moyen pour que tu ne souffres pas. Ta foi n'est pas un moyen, un chemin pour fuir la souffrance. La souffrance, elle existe, c'est une réalité. Et lorsqu'elle arrive, comme elle est arrivée dans la vie de notre Seigneur, lorsqu'elle arrive, ce que tu dois demander au Seigneur, c'est: mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Cette croix, cette souffrance, aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force. Parce que le piège du diable, c'est de nous faire croire que nos souffrances proviennent de Dieu. Le piège du diable, et les apôtres sont tombés dans ce piège. Le piège du diable, c'est de nous faire croire que les enfants de Dieu ne doivent pas souffrir. Le piège du diable, c'est de nous faire croire que lorsque tu souffres, c'est parce que le Seigneur t'a abandonné. Ne tombe pas dans le piège du malin. Ne tombe pas dans le piège du diable. Il veut t'éloigner de ton Seigneur. Il veut te faire couler dans tes moments de difficulté. Ce que le Seigneur te dit dans ces moments, c'est: tu es chargé, tu es affligé, je te donnerai du repos. Viens, viens béni de mon Père. Quand tu es chargé,
quand tu es affligé, quand tu souffres, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et affligés, et je vous donnerai du repos. C'est le Dieu chrétien, le Dieu qui ne prend pas en compte les péchés de nos parents pour nous punir, nous les enfants. Le Dieu qui, lorsque nous avons commis un péché et que nous lui demandons pardon, il nous pardonne et il tourne la page. Il nous donne une nouvelle opportunité. C'est cela notre Dieu, le Dieu de l'amour, le Dieu de la miséricorde. Ce Dieu qui t'a tant aimé, ce Dieu qui a donné sa vie pour toi en mourant sur la croix, ce Dieu qui est ressuscité pour toi et qui t'a promis le ciel qui commence sur la terre avec les merveilles que le Seigneur nous montre dans nos vies, mais aussi et surtout la vie éternelle. La souffrance n'est pas une malédiction de Dieu. L'échec dans la vie économique, physique, n'est pas une malédiction du Seigneur. Le Seigneur lui-même a vécu la passion, mais après la passion, il y a eu la résurrection. Que le Seigneur nous aide à avoir un regard différent des épreuves dans nos vies. Qu'il nous aide à pouvoir transformer nos regards et voir dans nos moments de tempête, dans nos moments d'épreuve, la main du Seigneur qui veut nous purifier et qui veut que nous soyons forts pour affronter les épreuves. Le Seigneur te remplit de son amour, le Seigneur te remplit de sa force. Il ne te demande qu'une seule chose, sois près de moi. Lorsque la souffrance, lorsque la persécution, lorsque la tempête arrive, sois près de moi et tu auras la force, tu auras le repos dont tu as besoin. Que le Seigneur nous aide dans nos moments de difficulté, qu'il nous aide à porter nos croix, qu'il nous aide dans nos moments de souffrance, qu'il calme la tempête de nos vies pour que nous puissions nous aussi respirer, qu'il nous donne le repos dont nous avons besoin dans ces moments de souffrance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous accompagne dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de souffrance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements,
Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.